Donc déjà, une fois de plus, bonjour et bienvenue à toutes et à tous. Si nous sommes là aujourd'hui, c'est pour notre 8e séance de partage d'expérience avec le docteur François Gaz et moi. Et nous sommes là, c'est pour le premier exercice du mouvement IA2030, c'est-à-dire l'analyse de situation. Et depuis la semaine dernière, vous avez travaillé sur votre analyse des situations et nous nous rapprochons très rapidement de la date limite qui est demain, vendredi 1er avril, avant 23h59, heure de Genève. Il est question pour vous de déposer la version initiale de votre analyse des situations dans Pierre Gris. Et donc, nous sommes à pratiquement, il faut que je modifie cela, nous sommes pratiquement à 24 heures avant la clôture de l'analyse des situations. Et qu'est-ce qui va se passer après, après demain, donc après cette heure-là? C'est pour ceux qui ont déjà déposé leur analyse de situation, ceux qui auront déposé à temps, vous allez recevoir dans Pierre Gris trois analyses de situation développées par des collègues. Et puis, il serait question pour vous de lire attentivement leur analyse de situation, de partager avec eux vos commentaires, en vous appuyant sur votre expérience professionnelle pour les aider à améliorer leur analyse de situation. Et surtout, et je tiens à saluer le docteur Kofinda Justin qui est en réunion, nous comprenons. Et déjà, merci d'avoir votre participation à cette rencontre d'aujourd'hui. Donc, vous devez effectuer les trois revues par les pairs avant vendredi le 8 avril. Et il faut savoir que dans la revue par les pairs, vous dépendez de vos pairs pour vous améliorer, comme vos pairs dépendent de vous aussi. Maintenant, pour ceux qui n'auront pas déposé leur analyse de situation à la date limite, c'est-à-dire avant 23h59 demain, vous ne pourriez plus participer à l'exercice 1. Mais vous allez quand même demeurer membre du mouvement IA2030 et vous pouvez participer si vous le souhaitez au rassemblement général de lundi, mais vous aurez la possibilité de participer à notre prochain exercice seulement à partir du mois de mai. Et je vais vous inviter, s'il vous plaît, n'activez pas votre micro si vous ne souhaitez pas prendre la parole. OK? Donc, c'est ce que je voulais dire. Donc, je pense qu'il est très important pour nous de faire tout notre possible pour déposer notre analyse de situation demain avant la date limite, parce qu'il serait impossible de partager cela après la date limite. Cela m'amène à la question que j'ai eu l'habitude de vous poser, c'est avez-vous réalisé et déposé votre analyse de situation dans Pierre Gris? Et vous devez répondre par un simple oui ou un simple non dans le chat. S'il vous plaît, allez-y. On fait un petit sondage juste pour prendre un peu le pouls, la température de. OK, Joël Flor, c'est oui. Youssoupha Cissé, c'est oui. Merci. Kangabega, c'est oui. Je vois un non. Sophie Mbouy, François Kamwanya, il a dit non. Bon, Farhan Ali, et ne vous en faites pas si votre réponse est non. On vient de constater qu'il reste 24 heures pour déposer la version initiale de notre analyse de situation. Donc, vous avez encore le temps pour le faire. Et c'est pour ça que ces séances sont aussi organisées pour vous aider à avancer. Donc, voilà, je vais maintenant me retourner vers François Kamwanya. Allez-y, François, activez votre micro. OK. Ah, s'il vous plaît, activez-le encore. Je vous ai désactivé accidentellement. J'ai désactivé votre micro. Oui, allez-y. Vous avez dit non, vous n'avez pas Bonjour. encore terminé votre analyse de situation. Vous êtes à quel niveau? Bonjour. Exactement, Charlotte. Bonjour. Moi, c'est François Camoigne. Je suis présentement vérificateur médical, c'est-à-dire mon rôle consiste à l'achat des prestations, parmi lesquelles la prestation enfant complètement vacciné fait partie. Mais je ne fais plus partie d'une des aires de santé comme je l'étais auparavant en tant qu'infirmier titulaire. C'est ça
Ma grande préoccupation, c'est en rapport avec la partie 3 dans le modèle où on demande les sources, parce que vous savez, comme je ne suis plus dans une aire de santé, donc je ne suis plus à mesure d'accéder à des sources sûres pouvant me permettre de donner vraiment avec précision le nombre d'enfants non atteints ou abandonnés, pour pouvoir continuer avec mon défi que j'avais mis dans le tableau de bord. Voilà un peu ma grande préoccupation par rapport à ça. OK, merci beaucoup François Kamwanya pour cette préoccupation. Ce que nous pouvons faire, et je vais vous demander de garder votre micro ouvert, et je vais me retourner vers le docteur François Gass, qui va nous donner en quelques mots des orientations sur ce qui est attendu de nous dans une analyse de situation. Et puis, on va revenir vers vous pour que vous présentiez votre situation, c'est-à-dire à partir du dépit, et puis par la suite, ce que vous avez déjà fait. Et à partir des questions et des commentaires des pères qui sont ici, on est sûr que vous allez trouver solution afin de pouvoir terminer votre analyse de situation. Donc, bonjour et à vous. Merci Charlotte et bonjour à tous. Et donc, ravi d'être là et de vous écouter. Alors, peut-être pour simplement commenter en matière, l'analyse situation, c'est quand on fait un programme, on doit périodiquement revoir ce qui se passe. Est-ce que ça marche? Est-ce que ça ne marche pas? Qu'est-ce qui marche? Qu'est-ce qui ne marche pas? Et ce qui ne marche pas devient un peu le défi que vous devez relever pour faire mieux. Parmi ces défis, il y en a peut-être plusieurs, mais ce qu'on vous demande ici, c'est de choisir le défi le plus important qui, si vous le relevez et vous le surmontez, vous fera faire des progrès dans l'objectif que vous avez fixé. Alors, pour répondre un petit peu à la personne qui dit « moi, j'ai changé d'endroit », peut-être que là où il est, je ne sais pas depuis combien de temps, il a des objectifs, il a des performances qui sont plus ou moins bonnes et il a identifié un certain nombre de défis où il pourrait choisir un défi particulier. Donc, quand vous avez votre défi particulier, et bien sûr, il faut le définir, ce défi, et le finir le plus précis possible avec les données que vous avez. Par exemple, comme il a mentionné, s'il y a des, on va dire, j'ai le défi généré, c'est j'ai beaucoup de zéro dose. Ça ne suffit pas, ça. Le problème, c'est vous en avez combien? Quand vous définissez le défi, vous en avez combien? Où sont-ils concentrés? Pourquoi vous avez ce défi? Et là, le pourquoi va rentrer, une fois que vous avez bien précisé votre défi, il est concentré, il est ciblé, il est dans un endroit particulier de votre aire de santé ou ailleurs, vous devez ensuite essayer de comprendre la cause de votre défi. C'est ce qui va vous aider à essayer de résoudre et de trouver des actions correctrices. Alors, pour trouver la cause du défi, il faut répondre aux questions pourquoi, qui sont les personnes concernées, pourquoi elles sont concernées, quelles sont les raisons qui les font hésiter à la vaccination, ne pas aller se faire vacciner. Et donc, il faut répondre à un certain nombre de pourquoi pour arriver à la cause profonde du défi et pouvoir définir des stratégies qui vont vous aider. Alors, bien sûr, là-dessus, vous avez à votre disposition des données. Vous avez tous un système d'information, de HIS, et vous avez peut-être d'autres données comme des couvertures vaccinales ou des petites études très spéciales que vous avez menées vous-même en interrogeant des maires, en interrogeant des leaders religieux, c'est un exemple. Et ça vous a donné un certain nombre d'informations, de causes sur lesquelles vous allez pouvoir agir. Donc, en fait, vous aurez, quand vous faites votre revue de l'analyse situation, c'est fixer un défi. Ensuite, il y a les raisons de votre défi. Ça, c'est la partie importante. Et maintenant, dans le contexte des étapes suivantes, ce qui va être important, c'est de définir quelles sont ces actions qui vont suivre. Les actions qui vont suivre, c'est quelquefois de compléter l'information parce que vous n'avez pas encore toute l'information pour relever votre défi. Et donc, vous devez faire des actions concrètes. Peut-être c'est des interviews de maires, c'est des interviews de leaders religieux. Et ces interviews et les réponses vont vous peut-être compléter l'analyse de votre défi. Et donc, les étapes suivantes, c'est soit de compléter avec des actions concrètes pour mieux comprendre votre défi, soit si votre défi est très bien défini, c'est de définir des actions
correctrices spécifiques que vous allez mettre en œuvre dans le futur et peut-être en vous inspirant du moteur ID et du détail de l'idée qui vous a séduite dans votre contexte, qui est adaptée à votre contexte et qui pourrait vous aider à surmonter ce défi en partie ou complètement. Donc, voilà un petit peu le processus et le modèle essaye de vous aider à rentrer les informations qui sont nécessaires pour vraiment préciser le défi, identifier les causes du défi, répondre aux questions qu'on se pose quand on a un défi, pourquoi, où, comment, qui, etc. Parce que ça vous aide beaucoup dans les actions correctrices. Et donc, voilà un petit peu ce qui est attendu. Et la revue des pairs va revoir votre travail. Soyez bref, allez droit au but, mettez même des bullet points. Il n'y a pas besoin d'avoir toute une prose. Je sais que vous êtes très occupé et qu'on doit se comporter un peu comme un manager d'une entreprise. On va droit au but, mais on a besoin d'informations pour identifier ce qu'on va faire pour faire mieux ou résoudre un problème. Donc, je vous passe la parole. Je suis allé en attente de voir un petit peu un de vos défis, de ceux qui l'ont déjà déposé. Et on va revoir s'il y a des choses qui pourraient être un peu mieux précisées. Donc, les commentaires vont être plus pour essayer de mieux comprendre et d'avoir le plus d'informations possible sur votre analyse de votre défi et des causes de votre défi. Merci à toi, Charlotte. Merci beaucoup, François. Et c'est pour ça que je vois François Camoigna avec les explications que le docteur François Gaz a partagées. Êtes-vous en mesure maintenant de terminer et de déposer votre analyse de situation? Bon, Charlotte, j'ai quand même eu un peu de soucis parce qu'il y a eu un peu d'interruption de la connexion il y a quelques minutes de ce qu'il a dit juste tout avant là, que je n'ai pas pu profiter parce que j'étais un peu déconnecté. Mais de tout ce qu'il a dit, j'ai quand même profité de beaucoup de conseils. Mais moi ma plus grande préoccupation, c'était juste parce que vous savez, lorsque vous êtes un responsable. Ok. Excusez-moi, François Camoyan, de vous interrompre. Vous avez accès. François, excusez-moi de vous interrompre. Je vais seulement vous demander partager quel est votre défi et quelle est votre situation en vous basant sur les questions ou bien sur le modèle. Comme ça, même s'il est incomplet, je pense qu'avec les contributions, les partages d'expérience des autres et puis même de François, ça pouvait vous aider. Donc, allez-y, partagez votre situation avec nous. Oui. Je suis sur téléphone, je ne suis pas sur mon ordinateur. Vous n'avez pas besoin de partager l'écran. Vous n'avez pas besoin de partager l'écran. Mon défi, c'est que je voulais vraiment que tous les enfants soient vaccinés. C'est ainsi, quand je vois qu'il y a des enfants qui commencent et qui ne terminent pas, soit on trouve les enfants qui n'ont jamais commencé le vaccin depuis leur naissance. Vraiment, ça m'a toujours touché en tant qu'un parent parce que, vous savez, les enfants sont beaucoup plus vulnérables à beaucoup d'infections et c'est pour cela que chaque enfant doit vraiment nécessairement avoir accès à la vaccination. C'est ça, François Camoy, je peux vous interrompre, François. Est-ce que non, dans le contexte où vous êtes avant, vous travailliez dans une aire de santé, vous n'y êtes plus. Donc maintenant, vous êtes dans une nouvelle position où vous avez des nouvelles responsabilités et où vous faites face à un défi particulier. Oui. On revoit un peu ce qui se passe parce qu'on a un nouveau rôle. Est-ce que dans votre domaine aujourd'hui, vous avez un défi particulier que vous avez identifié en prenant votre nouvelle responsabilité, pas celle du passé? Ici, comme vraiment nous travaillons en étroite relation avec les zones de santé ainsi qu'avec les aires de santé, dans la mesure que cette fois-ci, nous allons dans l'achat des prestations. L'achat des prestations. Et parmi les prestations, il y a l'enfant complètement vacciné et non achat. Nous le voyons même à travers les registres, il y a des enfants qui commencent. Pourquoi ils ne terminent?
C'est vraiment un souci. Alors, voilà, c'est pourquoi, comme j'ai fait. Il a disparu. Vraiment, malheureusement, il a des soucis de connexion Internet. Donc, je pense que si... OK. Je pense qu'on va... Il y a la main levée de Moïse Moussa Kaponda et on espère que François pourrait revenir plus tard. Moïse Moussa Kaponda, allez-y, activez votre micro, votre main est levée. Et s'il vous plaît, commencez d'abord par vous présenter. Oui, merci Charlotte. Bonjour à tous. C'est Dr Moussa Kaponda. Je suis en République démocratique du Congo. Bon, j'ai travaillé pendant 3 ans comme analyste chargé de la communication au sein de la division provinciale de la santé de Mai Ndombe. Maintenant, je suis au programme multisectoriel. Maintenant, moi, comme je suis amoureux de la vaccination, j'ai un défi. Mon défi, c'est de renforcer la participation communautaire pour améliorer la couverture vaccinale dans nos communautés. Alors, je suis parti. Excusez-moi, Moïse. Oui. Avez-vous déjà déposé votre analyse de situation? Comme ça, je peux partager l'écran. Non, je n'ai pas encore déposé, je n'ai pas encore fini. Je voudrais finir d'ici demain. Allez-y. Mais si vous avez déjà, ceux qui sont là, qui ont déjà terminé, levez la main si vous voulez présenter votre analyse de situation. Mais allez-y, Moïse. Et désolé. Alors, mon défi c'est de renforcer la participation communautaire pour améliorer la couverture vaccinale dans nos communautés. Alors, je suis parti de l'analyse des données dans les DHSD, où j'ai trouvé que durant l'année 2021, la couverture vaccinale de toute la province n'ont pas atteint l'objectif. Alors, je me suis dit qu'il y a un problème sérieux par rapport aux épidémies qui pourraient survenir. Alors, c'est là mon défi. Alors, je me suis posé la question, quelles sont les stratégies qu'on peut mettre en place pour renforcer la dynamique communautaire afin de récupérer tous ces enfants-là qui sont dans la communauté non vaccinée. Alors, dans mes sources, j'ai pris les DHS2, les rapports, parce que comme je ne peux pas aller dans toutes les zones de santé de la province, j'ai pris une zone de santé qui est au niveau du chef-lieu de la province et qui a aussi des faibles couvertures vaccinales. Alors là, j'ai comme source, j'ai pris les DHS2, j'ai pris les rapports annuels de la zone de santé, ainsi que les rapports annuels de la division provinciale de la santé. Donc, c'est là où je me trouve. OK, merci beaucoup, Moïse. J'aimerais vous poser la question, quel était votre objectif en termes de vaccination et à quel niveau êtes-vous aujourd'hui? Moïse, activez votre micro, s'il vous plaît. Oui. Par rapport aux zones de santé, par rapport aux objectifs, il y a par exemple les BCG. Les BCG, nous sommes à 65% dans la province. Alors, il fallait atteindre 90%. Les Penta 3, c'est à 54%. Les VAR, parce qu'ici, on n'a que la première dose, nous sommes à 76%. Ça, c'est au niveau de la province. Mais au niveau de la zone de santé d'Inongo, les BCG à 35%, les Penta 3 à 76% et les VAR à 55%. C'est vraiment en deçà des objectifs. OK, merci. François, des questions, des commentaires pour Moïse Moussa Kaponda? Merci, Moïse, pour présenter ta situation. Donc, c'est important de partir d'informations de base de façon à vraiment comprendre comment ce défi a été défini. Parce que ce que je comprends bien, c'est que votre défi, il est de vous essayer de répondre à un problème de demande, c'est-à-dire que la population,
semble ne pas utiliser les services de vaccination ou a arrêté, a chuté. Donc, il y a une défection des services de vaccination. Donc, ça, c'est un petit peu votre défi. Votre objectif, c'est de donc augmenter la... Et vous avez, dès le début, décidé que c'était un problème de demande. Alors, ma question, c'est est-ce que vous avez des évidences que c'est un problème de demande et que les services de vaccination et les stratégies fixes et les stratégies avancées sont en place ou pas? Avec le DHIS2, on arrive à savoir si toutes les activités micro-planifiées en site avancé ou en site fixe dans les centres de santé ont lieu ou pas. Est-ce que vous avez ces informations? Bon, l'information que je peux vous livrer par rapport d'abord à cette chute-là, c'est que au niveau de au niveau du pays, il y a une grève du personnel de santé qui a pris à peu près 5 mois comme ça. Donc on a connu des problèmes sérieux. En tout cas, la plupart des enfants n'étaient pas vaccinés. Donc les infirmiers ne vaccinaient pas les enfants pendant un long bout de temps. Oui. Ça c'est parmi les informations. Mais en dehors de ça, on voudrait maintenant creuser, voir, je voudrais un peu descendre au niveau de la zone de santé, aller un peu discuter avec eux, voir un peu la cartographie de la zone de santé, quelles sont les aires à problème, et voir quelles sont les stratégies à mettre en place pour chercher à récupérer tous ces enfants. Je pense que c'est une action qui est très importante. Mais bon, il peut y avoir un petit peu différents problèmes parce que s'il y a 5 mois de personnel en grève, ce n'est pas un problème de demande. De mon point de vue de l'extérieur, il n'y a pas de problème de demande s'il y a eu 5 mois de grève où on ne vaccinait pas, où on ne vaccinait qu'en centre fixe et on ne faisait pas les stratégies avancées. Donc, il faut très faire, disons que c'est l'intérêt d'analyser votre défi qui est une couverture basse et les causes profondes de cette couverture basse. Et en général, il y a 2 grands problèmes. Il y a l'offre de services et le deuxième, c'est l'utilisation des services par les maires. Et donc, il faut vraiment voir quel est le poids de chacune de ces grands axes de la vaccination avant de se jeter sur les maires en disant la communautaire, vous devez utiliser les services de vaccination parce que s'ils ne sont pas là, on ne peut pas les utiliser, c'est contre-productif. Donc, il faut faire très, très attention à la cause profonde de votre couverture vaccinale. Moi, je pensais que vous alliez dire, il y a eu COVID, les maires ne vont plus au site de vaccination ou pas. Je ne sais pas, mais est-ce que vous avez pu analyser ces données pour être sûr que l'offre de service est là, mais que ce sont vraiment les maires et les communautés qui ne viennent pas, puisqu'il y a eu 5 mois d'arrêt, c'est normal que la couverture baisse après 5 mois d'arrêt. C'est là où je voudrais aussi faire un peu une comparaison en analysant aussi les données de l'année passée. Par exemple, l'année 2020 où il n'y a pas eu grève, je voudrais bien voir la tendance de cette année-là et la comparer à l'année où il y a eu la grève si les données seront un peu différentes. Je sais qu'il y aura une petite différence, mais je voudrais bien voir durant l'année-là qui a précédé l'année 2021 il y a eu la grève, si les données, comment se sont comportées les données par rapport à l'année 2021. Tout à fait. Et oui, non, c'est une très bonne démarche. C'est une étape suivante. Donc, c'est une action que vous devez mener pour mieux comprendre la situation, donc la vraie problématique de votre couverture en comparant avec l'année d'avant, l'année d'ici, en regardant votre DHS2 d'une manière plus profonde pour savoir si tous les services de vaccination ont lieu ou pas. Et donc, ça, c'est très important de façon à ne pas faire une stratégie de correctrices qui ne correspondent pas forcément à la cause de votre problème. Donc, on sait qu'on doit convaincre les maires, mais ce n'est peut-être pas le problème principal. Donc, c'est à vous d'arriver au problème principal et d'y répondre. Merci. Merci beaucoup. OK, merci beaucoup. Charles. Merci beaucoup, Moïse, et merci aussi, merci, François. Bon, le prochain qu'on va prendre, c'est Sally Njida. Saline Chida, vous aviez été la deuxième à lever la main. Allez-y, activez votre micro. Et s'il vous plaît, êtes-vous à mesure de partager votre écran? Non, si ce n'est pas le cas, ce n'est pas grave. J'ai déjà retrouvé votre analyse de situation. Donc, vous pouvez vous présenter.
pouvez partager votre situation avec nous. Allez-y, Sally, activez une fois votre micro. Oui, bonjour Charlotte. Bonjour. Bonjour François. Bonjour. Ok, moi c'est Saline Jida, je suis au Cameroun, à Yaoundé, à la délégation régionale de la santé publique du centre. Bon, je suis un personnel administratif, mais qui s'intéresse à la vie de la santé en général. Oui. Ok, oui. S'il vous plaît, vous pouvez confirmer que c'est votre analyse de situation ici qui s'affiche à l'écran? Les moyens pour atteindre les objectifs fixés. Bon, ben, avec peut-être des plaidoyers, avec des engagements, je pense que si quelque chose est fait, je crois que l'objectif sera atteint. Parce que mon objectif, c'est quoi? C'est que toutes les couches de population, toutes les localités aient quand même accès aux soins de santé. Si on a déjà accès aux soins de santé, je crois que par là, la vaccination pourrait aussi vivre. Parce que si on ne connaît pas, si on n'a pas déjà les formations sanitaires, si elles sont très éloignées des zones d'habitation, ou bien s'il y a des zones enclavées qui n'ont pas, par exemple, de formation sanitaire, on ne peut pas atteindre l'objectif de la vaccination. Donc, c'est un peu ça mon plaidoyer, mon défi que je voudrais relever. OK. Merci beaucoup, Sally Jida, d'avoir résumé votre défi, votre situation. Mais j'aimerais vous poser des questions. Avez-vous identifié cette localité? Connaissez-vous la taille de population? Donc, voilà un peu. J'ai des signaux que ma connexion est instable. Donc, je pense que si vous me perdez, je pense que François va prendre le relais pour poser des questions. Mais voilà les deux premières questions que j'avais pour vous, Sally. Donc, ces localités-là, quelles sont les caractéristiques qui définissent ces localités qui ne sont pas desservies? Disons, comme je vous ai dit la dernière fois, moi, je participe au service de la vaccination en qualité de superviseur régional pour appuyer pendant les campagnes. Et là, quand j'arrive, je peux prendre certains districts comme Ngokmakubi, je peux prendre comme le district de Yoko. Et elles sont vastes. Et si je prends, par exemple, Yoko, il y a deux. Elle est vraiment divisée en deux. Il y a l'aire de santé de Yoko et il y a l'aire de santé de. Que le nom ne vient pas vite. De Ngoro, disons vers Ngoro, où il faut passer peut-être 60 km pour atteindre l'aire de santé qui tend du district. Et la route est mauvaise. Il n'y a pas vraiment, la route n'est pas bitumée. Et là, quand il y a donc une mise en œuvre des activités à Yoko, Ngoro et les autres ne sont pas servis parce que là, le personnel, il n'y a pas de plus. Il n'y a pas de personnel suffisant dans ces aires de santé. Et comme ça, on ne peut pas atteindre les objectifs de la vaccination qu'on voudrait bien avoir. Parce que ça dit qu'il faut aller avec la moto, vous venez, vous passez d'abord une journée. Et au retour, vous passez une journée. Et vous voyez que la vaccination comporte même a tendance à être peut-être gâté par rapport à la température qui va chauffer ou bien on n'a pas on les porte sur les porte-vaccins et avec les accumulateurs, deux fois, ça ne tient pas bien. Et là, du coup, on vaccine, on donne des molécules qui ne sont plus viables
à la population. Et là, on ne peut plus éradiquer les maladies qui sont évitables par la vaccination. Merci, Sadly Njida. François, on donne la parole à Jaurès. Je crois qu'il y a des questions, pour un peu mieux spécifier le défi. OK, je vais inviter Jaurès à activer son micro. Bonjour, Charlotte. Bonjour, François Gass et à tous les participants. Moi, j'ai lu un peu tout ce qui est sur la mission. Donc, j'ai constaté que beaucoup de descriptions, mais il n'y en a pas de précisions sur les données fournies. Parce qu'il s'agit d'analyse des situations, c'est mieux qu'on utilise les indicateurs pour quantifier le problème et aussi pour arriver à fixer des objectifs. Voilà, c'est tout simplement mes remarques, parce qu'il y a pas mal de données là-bas. Il y en a les HES2, les RMA et tout ça, mais je précise tout simplement qu'il faut des précisions quantifiées pour spécifier les problèmes, pour mettre en évidence aussi le défi. Merci. Merci beaucoup, Jaurès, pour ce commentaire très pertinent sur les données chiffrées, les indicateurs pour permettre de mieux quantifier et qualifier le défi. François? Non, je pense que Jaurès a mis le point sur un point important. Il faut être très spécifique. Est-ce que c'est une offre de service? Quelles sont les localités? On a eu quelques explications générales, mais on ne sait pas quelle proportion de la population a peu accès. J'ai vu un chiffre de 80%, mais ça veut dire qu'il y a peut-être des localités avec 30%, mais elles sont peut-être une petite taille de population. Donc, il faut, quand vous avez le DHS2, normalement, vous avez dedans des informations qui vont vous permettre de voir si l'offre de service est faite comme elle est écrite dans les microplans ou pas. Et puis les résultats en termes de taux d'abandon entre la première dose et la deuxième dose. Donc, vous avez beaucoup, vous avez les RMA. Je pense que vous devez beaucoup mieux spécifier la taille de votre problème. Et là où il est situé et pourquoi il a lieu, vous avez déjà mentionné un certain nombre de causes. Donc, il faut être le plus clair possible avec des chiffres, autant que possible. Sinon, il faut aller les rechercher dans les RMA, dans les HS2, de vraiment la taille du problème, le poids du problème face à la couverture vaccinale et les priorités de localisation, par exemple. Merci. OK, merci beaucoup. Je veux demander au Cordo, au PEV, de m'inscrire pour que j'ai accès à tout moment au DHIS, pour que je les consulte, afin que je précise les données des localités, par exemple, que j'ai citées. Il y a là où, souvent, c'est vrai, comme vous venez de dire, lors des briefings, des campagnes, ces localités ne dépassent pas souvent 60%. Donc, c'est un peu difficile parce que, par exemple, comme à Ngokmakoubi, il y a Ngimbassal, vous ne pouvez pas accéder par Ngokmakoubi, il faut aller là-bas et revenir à Yaoundé afin de prendre une autre route pour aller accéder dans ces aires de santé. Et c'est la même chose comme je disais tout à l'heure pour Ngoro et Yoko. Quand vous allez à Yoko, il faut revenir encore sur Yaoundé, prendre une autre route par Bafoussam pour y accéder afin que vous donner les services qu'il faut. Et là, on a aussi le problème de personnel. Presque ces zones sont souvent les personnels fuient. C'est à cause de ça que j'ai parlé qu'il fallait peut-être un plaidoyer pour rapprocher les services de santé et mettre un accent aussi sur l'affectation des personnels et peut-être chercher aussi des ressources pour pouvoir motiver ces personnels à rester sur place pour pouvoir prodiguer les soins aux patients. OK. Merci. Une petite réponse. Enfin, vous commencez, non, c'est une meilleure analyse, mais
Vous savez, c'est difficile de tout résoudre. Donc, une fois que vous avez parlé de problèmes d'accessibilité géographique, ensuite, vous avez parlé d'un problème d'offre parce que vous dites qu'il n'y a pas assez de personnel pour faire les activités, mais il faut des chiffres. Disons, quand on dit « je n'ai pas assez de personnel », on ne sait pas de combien il s'agit. Est-ce que c'est une évidence chiffrée, le manque de personnel dans les endroits, dans les zones dont vous parlez? Si vous parlez de l'accessibilité géographique, il faut essayer de préciser les causes de la non-desserte de ces zones. Est-ce que si vous allez plus loin dans le pourquoi, est-ce que c'est qu'il n'y a pas de véhicule? Est-ce qu'il n'y a pas d'argent, mais vous avez des chiffres précis de micro-plans qui ne sont pas finalement financés ou financés en partie? Donc, il faut être le plus précis possible dans votre analyse pour bien comprendre la cause profonde et choisir les causes où vous pouvez agir avec les ressources locales. Tout le monde a besoin d'argent, mais si vous arrivez, est-ce que vous pouvez plus optimaliser les ressources existantes? Donc, la situation, c'est bien comprendre et pouvoir vendre à ses supérieurs hiérarchiques une approche stratégique qui a un sens et qui ne coûte pas des fortunes dans lesquelles on peut rêver, mais qu'on a peu de chances d'obtenir rapidement. Et à court terme, merci. Merci beaucoup. Okay. Merci beaucoup, François. Merci, François. Merci beaucoup, Sally Njida. Et nous avons dépassé le temps imparti, les parties pour notre séance de 5 minutes déjà. Mais je pense que, François, on peut prendre une dernière partage d'expérience pour aujourd'hui. Oui. Avant de se rendre à la séance avec les anglophones, donc je vais inviter Emmanuel Mukendi. Emmanuel Mukendi, allez-y. Emmanuel Mukendi, êtes-vous en mesure d'activer le micro? C'est sinon, déjà fait, Charlotte. Est-ce que vous m'entendez? C'est... Charlotte, oui, j'ai dit que j'ai déjà activé mon micro. Est-ce que vous m'entendez? Oui. OK, oui, allez-y. Oui, en fait, j'ai déjà posté mon analyse des situations dans Pericruet. Je ne sais pas si vous pouvez m'aider à y accéder ou bien je peux partager déjà... mon écran. C'est déjà fait. Voilà, vous y êtes. Merci beaucoup. C'est comme j'ai fait le résumé là, comme vous le voyez. Il s'avère qu'il y a une faible couverture vaccinale contre la rougeole. Et cela est attesté par les enquêtes, mais en contradiction avec les données administratives qui sont postées dans le DHS2. J'ai les données pour 4 ans, de 2018 jusqu'à 2021. Si tu allais permettre de faire mon écran, je crois que j'allais présenter ces graphiques-là. Allez-y, partagez votre écran, s'il vous plaît. Voilà. Tu n'as pas encore coupé ton écran, voilà. Est-ce que vous le voyez? Pas encore, mais ça va arriver. OK, voilà, c'est bon maintenant. Très bien. J'ai pris deux graphiques de manière linéaire sur 4 ans pratiquement. Vous allez vous rendre compte que sur les 4 ans, il y a moins de zones de santé qui ont présenté des couvertures administratives, moins de 85% pour la vaccination contre la rougeole. N'est-ce pas? Oui. Alors, ce qui contraste pratiquement avec, comme je l'ai dit dans mon analyse, ces données de couverture vaccinale contraste pratiquement avec les données des enquêtes. Il y a eu des enquêtes à l'échelle nationale que nous appelons MIX qui a montré que la couverture vaccinale contre la rougeole, elle est très faible sur l'étendue de la République. Et là où je suis en train d'intervenir, j'ai même oublié de me présenter, je suis Emmanuel Mukendi, je suis partenaire d'appui au ministère de la Santé, je travaille pour les comptes des Save the Children à Mbujimayi, nous sommes au Kassai Oriental, là où nous appuyons les deux provinces, Kassai Oriental et l'Omami. Alors, dans nos interventions, nous avons des appuis aux activités de vaccination. Nous aidons les zones de santé à acheminer les vaccins
des antennes peuvent jusqu'au niveau des prestations, au niveau des heures de santé. Nous les accompagnons techniquement et financièrement pour renforcer les capacités des prestataires. Et c'est ce que nous faisons au niveau de ces deux provinces. Alors, quand nous voyons maintenant les données des enquêtes, nous nous rendons compte que la couverture des vaccinations contre la rougeole, elle demeure très faible, soit 42% pour le Kasaï oriental. Et c'est à ce moment-là qu'il y a à se poser des questions, d'autant plus que notre défi actuellement, c'est d'arriver à expliquer la résurgence des cas de rougeole dans les deux provinces pratiquement. Comment se fait-il que les zones de santé présentent de très bonnes couvertures vaccinales, bien que les enquêtes disent le contraire? Et présentement, là, nous sommes en train de crier les cas de résurgence des cas des épidémies de rougeole. C'est au fait ça le défi que nous nous sommes fixés. Nous devons arriver à pouvoir chercher quelles sont les voies et moyens pour contourner cette situation. Je sais que dans un premier temps, en dehors de la vaccination des routines, qui n'immunise qu'à 75%, c'est-à-dire que sur les 3-4 ans, si nous n'avons pas de campagne de rattrapage, ça veut dire que les 15% qui sont restés non immunisés sont une source des épidémies. Alors, mis de côté cette cause-là, mais nous devons dans un premier temps renforcer les activités de routine. Donc, dans les prochaines étapes, nous devons voir dans quelle mesure discuter avec les chefs d'antenne pour voir quels seraient les facteurs à la base de cette faible couverture vaccinale selon les enquêtes. Et aussi interroger les données qui semblent donner de bonnes couvertures, alors que présentement, là, nous nous retrouvons devant les cas des épidémies de rougeole que nous ne savons pas expliquer. Voilà ma petite contribution par rapport à ce niveau. Bien que j'ai posté mon analyse de la situation, mais il demeure encore un draft. Je crois que les prochains jours vont nous aider avec la contribution des pairs pour voir comment améliorer notre analyse de la situation. Charlotte, à vous et à tous les collègues. OK, merci beaucoup Emmanuel Mukendi pour ce partage d'expérience, surtout de votre analyse de situation. Il y a une question dans le chat de Jaurès que je vais lire très rapidement parce que nous sommes presque à court de temps. Il dit donc une différence entre les données administratives et données d'enquête. Avez-vous un plan national d'amélioration des données? Donc voilà la question de Jaurès pour vous. Très bien. Par rapport à la première question, les données administratives, nous entendons les données. Pardon? Il ne posait pas une question. Il faisait une observation qu'il y a une différence entre les données administratives et les données d'enquête. Et il posait donc la question à savoir, y a-t-il un plan de développement des données? Oui, il y a un plan. Il y a un plan national. D'amélioration des données. Oui, effectivement, il y a un plan national d'amélioration des données au niveau provincial. Mais je pense que je dois m'approcher des antennes PEV pour nous rassurer que nous avons contextualisé cela au niveau sous-national au niveau provincial. OK. Et il y a aussi Otans Makonga qui dit dans le chat, toutes mes félicitations, M. Emmanuel Mukendi, veuillez vérifier si toutes les structures sont paramétrées dans le DHIS2, car pour mon cas, certaines structures qui vaccinent ne sont pas encore paramétrées. Donc, ça, Otans Makonga, je pense que je peux l'inviter à activer son micro pour élaborer plus, comme ça, elle se présente aussi, puisqu'elle est aussi de la RDC. Otans, oui, bonjour Charlotte, bonjour François, bonjour tout le monde. Moi, c'est Hortense Macron depuis Lubumbashi. Je travaille à la division provinciale de la santé. Je suis analyste au bureau appui technique. Puisque j'ai vu comment il a présenté les problèmes par rapport à la couverture de VAR, et je me suis dit que pour mon cas, puisque moi aussi je travaille sur les enfants non complètement sous-vaccinés. Et par rapport à l'analyse, j'ai découvert qu'il y avait des problèmes d'abord des dénominateurs. La plupart des aires de santé vaccinaient plus ou moins,
mais les autres allaient dans d'autres aires de santé pour se faire vacciner. Et en deuxième lieu, j'ai vu que certaines structures n'étaient pas paramétrées puisque j'ai voulu travailler avec le DHS2 et je me suis retrouvée que les données n'étaient pas complètes puisque les structures qui vaccinaient n'étaient pas toutes paramétrées dans le DHS2. Alors là, j'ai dû annuler de faire la triangulation avec le DHS2 et on a dû créer un dossier base de données Excel où on a eu à introduire toutes les données. Alors, on a eu à travailler avec la base Excel. Et c'est comme ça. Je ne sais pas s'il y a autre chose, parce que là, c'est ce que moi, j'ai eu à faire par rapport à l'utilisation des données. J'ai pris les SNIS et la base Excel pour travailler, puisque j'ai mis de côté le DHS2. J'ai aussi vérifié cela. OK. Merci beaucoup pour ce partage d'expérience. Autant c'est pour cette raison que nous sommes ici. Et il y a Abraham Seya Kilanga qui dit pourquoi les zones de santé de Bipemba et Djulu ont toujours une faible couverture. Quel est le vrai problème de ces deux zones de santé? Je propose la communication avec les leaders communautaires pour dégager les problèmes et mettre en œuvre des moyens de communication pour le contourner. Oui. À ces enfants insuffisamment accus. Risque avec exode rural faire la propagation de la maladie. Donc, j'aimerais, avant de donner le dernier mot peut-être à Emmanuel Mukendi, François, je voudrais savoir si vous avez des questions ou bien des commentaires par rapport à la présentation de la situation d'Emmanuel. Merci Charlotte, merci Emmanuel de présenter. Je pense que les données sont toujours essentielles si on veut régler un problème de vaccination ou d'épidémie. Pour se plonger dans les données, c'est très important. Il le fait et il essaye de comprendre un peu mieux la pertinence de ces données et la vraie problématique. Je pense qu'il a souligné, et je pense que c'est excellent, il a souligné qu'il y avait que la couverture était vaccinale était surestimée, la couverture rapportée par rapport aux couvertures d'enquête. Donc on sait qu'on a un problème de surestimation qui est peut-être différent de celui de Lubumbashi où il y a des données qui manquent. Donc ici, il a des problèmes de surestimation où il doit essayer de comprendre pourquoi. Ça, c'est peut-être un peu plus compliqué, mais les épidémies de rougeole montrent que la couverture vaccinale par enquête est sûrement bonne et qu'il y a beaucoup de susceptibles, à la fois qui s'accumulent lors d'une campagne et qui s'accumulent à cause de problèmes de la routine. Selon les modèles établi par les spécialistes, on dit que quand il y a deux cohortes, quand il y a une cohorte complète d'enfants non vaccinés, le risque de rougeole est très élevé. Et là, quand on voit des 42 ou 46 %, on se rend compte qu'en deux ans, il y a énormément de non vaccinés et qui ne sont pas corrigés par les campagnes qui sont faites pour corriger le nombre de non vaccinés. Donc, le problème, c'est vraiment de rentrer un peu dans la routine et d'aller plus loin dans l'analyse comme il le propose. Ça me paraît très important de mieux comprendre la cause de ces problèmes. Est-ce que c'est un problème dénominateur ou est-ce que l'offre de service, c'est un problème d'offre de service ou est-ce que c'est un problème de demande quand les services viennent, de problèmes de qualité des sites de stratégie avancée, des sites fixes? Est-ce que vraiment il y a des populations qui ne sont jamais visitées? Il n'y a qu'en faisant des petites mini-études supplémentaires, des analyses un peu plus complémentaires, et qu'il faut attention de ne pas se perdre. Il faut aller là où vous pensez que si vous corrigez le problème, vous aurez le plus d'impact. Il faut aller là où vraiment il y a le problème. Ce n'était pas un problème partout, mais il y a des zones où il y a plus de problèmes qu'ailleurs, et il faut cibler le défi et commencer quelque part, hein, étape par étape, bien comprendre et ensuite peut-être passer à échelle quand on a bien compris la problématique de certaines zones. Donc, concentrer le défi là où, d'après vous, il y a le plus de problèmes pour bien comprendre si c'est un problème d'offre de service et pourquoi il y a cette offre de problème d'offre de service. Vous faites avec Save the Children, vous offrez beaucoup de vaccinations. Est-ce que les activités ont vraiment lieu sur place? Et si elles n'ont pas lieu, quelle est la raison? Est-ce que la couverture, est-ce que vous avez aussi des problèmes de grève dans votre coin ou est-ce que c'était généralisé à toute la RDC ou ça ne touchait que particulièrement? Mais à ce moment-là, on devrait voir la couverture reprendre sur les données rapportées. Merci. Mes félicitations pour bien vous plonger absolument sur l'analyse de vos données et de les comparer avec des données d'enquête et d'essayer de résoudre. C'est un peu le but de cette
de cette formation. Merci. Merci beaucoup, surtout merci Manuel Mukendi pour la compréhension, parce que vous avez vu que nous sommes à court de temps. Nous devons ouvrir la salle juste après celui-ci pour la séance avec les anglophones. Donc, il y a Emmanuel Mukendi qui dit merci dans le chat pour l'intérêt porté à son modeste, à notre modeste analyse de situation et surtout pour les observations. Et puis, particulièrement au docteur François Gasse, recommandation bien suivie. Donc, je tiens simplement à vous rappeler, si vous avez une quelconque souci, que ce soit peut-être que des problèmes avec la rédaction, la compréhension de ce qu'il faut pour terminer votre analyse de situation, nous avons un dernier rendez-vous demain avant la date limite, c'est-à-dire c'est la séance de soutien technique demain à 12h de Genève. Donc, rendez-vous, venez, connectez-vous à cette séance si vous avez des difficultés et on serait là pour vous aider à les résoudre. Vraiment, merci à tous ceux et celles qui ont contribué aujourd'hui en partageant leur expérience pendant cette séance de partage d'expérience. Et on se dit excellente journée, au revoir et à demain.